Bonjour chers amis, je suis Brice Camdem, consultant comptable et formateur sur les logiciels de gestion. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment effectuer une impression avec Excel. Ce que j'ai l'habitude de faire, chers amis, c'est de sélectionner la plage des cellules dont je souhaite imprimer. Donc, nous avons par exemple cette feuille de calcul. Ce que je vous conseille d'abord, c'est de sélectionner la plage des cellules dont vous souhaitez imprimer. Donc là, j'ai sélectionné mes données. Vous sélectionnez d'abord au préalable vos données. Là, j'ai sélectionné chers amis. Vous venez dans Fichier, Imprimer. Là, vous constatez que ça n'a pas pris en compte. La feuille d'impression ne prend pas en compte les données en intégralité. Donc, je reviens. A priori, ça a découpé. A priori, vos données sont en paysage. Et la machine a dû découper ça en trois pages. Par exemple, si je viens là, imprimer, vous retrouvez, voilà, 1 sur 3. Donc, vous devrez en fait, à ce niveau, imprimer les feuilles actives. Étant donné que vous avez sélectionné vos données, vous prenez imprimer la section. Imprimer la section. Car ça ne tient, chers amis, vos données s'étendent sur trois pages. Donc, voilà, 1 de 1 à 3. Voilà la troisième, deuxième page. Ou à deuxième page, ou à troisième page. Mais en fait, chers amis, pour mettre donc ces données sur une seule page, je vous conseille d'aller ici, à ce niveau, de mettre déjà en paysage. Donc, au niveau de orientation et portrait, vous mettez en orientation paysage. Lorsque vous mettez en paysage, qu'est-ce que ça donne? Ça s'étend maintenant plutôt sur quatre pages. Ça s'étend sur quatre pages. Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire, chers amis? Dans ce cas, allez dans Mise en page. Cliquez sur Mise en page. Vous pouvez réduire, agrandir la taille. Donc, je mets 80% hein, pour voir. Je mets 80% déjà. C'est bon. Vous voyez déjà un peu. Donc, maintenant, jusqu'à ce que ça les tienne, ça se tend toujours sur 4 pages. Mais c'est déjà un peu bon. Donc, vous pouvez en fait juste supprimer les lignes vides. Hein. En supprimant les lignes vides, on a la solution certainement. Donc là, je supprime les lignes vides, chers amis. Je supprime quelques lignes vides. Bien, chers amis, vous pouvez également réduire tout simplement la taille. Vous pouvez simplement réduire la taille de certaines colonnes. Un peu comme ça. Vous voyez? Là maintenant, je lance à nouveau l'impression. Fichier, imprimer. Là, ça s'étend bien sur une seule page. Imprimer. Bon, je vous ai demandé de sélectionner en fait. Je vous conseille de sélectionner la plage. La plage des cellules, la plage des cellules sur laquelle figurent vos données. Donc c'est fait, fichier, imprimer. À ce niveau, vous prenez imprimer la section, vous mettez en paysage comme je vous ai montré. Et si vous souhaitez, si vos données sont figurées sur deux pages et que vous souhaitez imprimer à recto verso, impression à recto, vous prenez impression recto verso. À ce niveau, là, ça va imprimer au recto et au verso. Si vous souhaitez imprimer juste au recto, prenez impression recto. Bien, chers amis, il peut arriver que vous souhaitez également faire une impression couleur. Si vous souhaitez effectuer une impression couleur, cliquez sur il y a propriété de l'imprimante. Cliquez sur propriété de l'imprimante. Bon, cette fonctionnalité n'est pas disponible, bon, c'est pas grave. Si vous souhaitez imprimer plusieurs copies, vous mettez là, nombre de copies, 5 copies, vous mettez 5. 6 copies, vous saisissez 6. Et ainsi de suite. Bien. Bien. Chers amis, si vous souhaitez également agrandir, vous pouvez également agrandir les colonnes à partir d'ici.
en cliquant à ce niveau. Afficher les marches. Vous avez également la possibilité de réduire certaines marches à partir d'ici. Voyez un peu. Vous avez la possibilité de réduire certaines marches à partir d'ici. Je vais plutôt agrandir. Hein. Ok. Je vais agrandir certaines marches à partir d'ici. Voyez un peu parce que certaines données là sont moins visibles. J'agrandis. Vous voyez un peu, chers amis. Je réduis également un peu. Bien. Donc, voilà un peu nos données. Il y a une la dernière colonne qui n'apparaît pas. Ce qu'il y a lieu à faire, c'est d'aller dans Fichier, Imprimer également. Nous pouvons réduire cette colonne. La colonne doc là. Ok. Donc là, je pense que c'est bon, chers amis. Une fois que c'est fait, vous choisissez l'imprimante. À ce niveau, vous choisissez l'imprimante sur laquelle vous souhaitez imprimer. Certes, il n'y a pas d'imprimante rattachée à la machine, mais au cas où les imprimantes sont associées à votre machine, vous déroulez là et vous choisissez l'imprimante sur laquelle vous souhaitez imprimer. Une fois que c'est fait, chers amis, par exemple, je vais choisir n'importe quoi. Hein. Choisissez à ce niveau hein. Et ensuite si vous souhaitez vous pouvez aller à mise en page hein, ou bien dernier paramètre dans mise en page pour les paramètres supplémentaires donc là vous pouvez réduire agrandir la taille à la normale ici au niveau des marches vous pouvez réduire ou augmenter les marches à partir d'ici là je vais laisser comme tel en tête des pieds des pages vous pouvez faire. Qu'est-ce qu'on dit? En tête des pieds des pages, vous pouvez modifier. Vous pouvez ajuster. En tête des pieds des pages. Vous pouvez. Bref, vous pouvez. Disons page 1. Vous pouvez écrire page 1. Ou bien, vous faites figurer l'information dont vous souhaitez. Je vais laisser aucun tout simplement. Hein. Pied des pages, vous pouvez faire figurer une information dont vous souhaitez. Moi, je vais laisser purement et simplement aucun. Au niveau des feuilles, là, bon, la feuille, vous avez la possibilité de mettre sous forme de quadrillage, mais c'est pas nécessaire. En noir et blanc, c'est pas aussi nécessaire. La qualité d'impression, en fait, qualité brouillon. Bon, vous regardez un peu. Hein. Donc, voilà un peu en fait tous les contours. Ou bien, vous pouvez dans l'option. Pour des options d'impression supplémentaires. Donc, voilà en fait dans avancer si vous souhaitez. Bref, voilà tous les contours et techniques d'impression. Une fois que c'est fait, chers amis, vous cliquez purement et simplement sur imprimer. Et étant donné qu'il n'y a pas d'imprimante sur ma machine, je vais instituer imprimer. Ça va imprimer en PDF. Principe, si je vais au bureau, je vais retrouver hein, bureau, imprimer, j'ouvre le fichier en question. C'est sous forme PDF. Donc, chers amis, voir le fichier qui tient bel et bien sur une page. Je vous remercie, chers amis. Cliquez sur abonner et partagez la vidéo.